qui va chercher Knudsen. Knudsen avec Hollanders. Et peut-être les deux premiers points. Eh bien oui, c'est pour l'ancien Limbourgeois. On en parlait à l'instant. Il confirme dès le début du match. Bradwaite. Avec Mini. Bradwaite encore. Oh, c'est magnifique ça à l'intérieur. Il avait tout l'espace. Hollanders. Qui tente d'aller chercher Bradwaite qui va prendre ce shot à 3 points et ça va rentrer. Ça revient vers le capitaine. Oh, ça joue une nouvelle fois avec Colson. Et déjà 4 points pour le joueur français. Williams qui va tenter également aux 3 points, ça rentre. Effectivement, il y a de la hauteur des deux côtés. Lionel Colson qui fait 2m6. T également. On réclame une faute, mais je pense pas qu'il y a grand chose. En tout cas, il ne touche pas Colson. Il touche la planche, effectivement. Pintelone avec Hollanders. Oh, c'est splendide. Brandwake à l'intérieur. Et les 2 points de réussite à cet intérieur de raquette. Williams de très loin. C'est de loin ça. Hein. Ça rentre. Autokit avec 2 points importants qui vont relancer. Ce n'est pas assez précis. Oh, ça c'est bien joué. La petite passe à l'aveugle du capitaine pour aller servir. De faute que celui que ceci. Voilà. C'est faut oublier le joueur croate là. Hollanders aux 3 points et cette fois-ci ça va rentrer pour l'ancien joueur de balle. Est-ce qu'on va pouvoir répondre directement? Eh bien oui. Colson avec Bradwaite. Ça ressort finalement dans le corner et ça va rentrer. Ah, il a hésité à prendre le shot. Finalement, il prend le temps, mais le shot est tout de même pris et ça rentre pour le Serbe. Ses coéquipiers. Matoïc qui va inverser, ça revient vers Hugo Minić qui va inscrire le 3 points sur le fil, tout juste, et qui donne l'avantage. Avec Louis Thérèse. Avec Carole Colel qui perd le ballon et Williams qui va déposer. Ils sont aussi en grosse pression défensive. Ce terrain pour essayer de récupérer ses ballons. Et là, ça fait déjà 3 pertes de balles. Hein. En moins d'une minute, c'est quand même énorme. On voit que les mots du coach ont parlé avant le vestiaire. Colson, lui, qui va jusqu'au bout. Mais Williams qui se fait un petit peu pardonner de l'action juste avant. Et là, c'est très bien joué. Williams avec Knudsen. Williams encore. Oh, c'est bien joué là de la part de l'Américain qui va aller jusqu'au bout et prendre le 2-1. Et la balle qui tourne énormément autour de la ligne des 3 points sans jamais pouvoir rentrer finalement. Et Tolel qui fait du bien par contre à cette équipe limbourgeoise. Likan. Vers Tolel et il est en forme Tolel et il le confirme. Et possibilité là de revenir à égalité avant la fin de ce troisième carton. Tolel aux 3 points, il en a mis quelques-uns et ça va être le 3-1. Alors que les Limbourgeois, eux, profitent plus de leur possession. Et le 2-1, une nouvelle fois de Lionel Colson. Moi-même, les supporters hein, qui s'impatientent de la qualité de jeu qu'offrent les Carolais aujourd'hui. Bradwaite. Ouais, ouais, l'épaule. Il va falloir trouver la solution. Mais pour l'instant, les Limbourgeois ont l'avantage à tous les niveaux. Et cette fois-ci, ça rentre pour Sander. Bradwaite. Nouvelle interception de Williams. Il se fait pardonner. Et Pintelone qui va déposer. C'est peut-être le moment, justement, d'aller prendre un petit peu de repos avant de remonter sur le parquet et d'enchaîner les minutes à avoir. Totalement, surtout qu'ici c'est des lancers francs, une quantité de lancers francs qui est manquée et à ce niveau-là avec des joueurs professionnels, c'est pas possible. Hugo Minić dans le corner et ça va rentrer. À
avec Hollanders une nouvelle fois. Van Dijk. Et à l'intérieur, Knutsen, qui a été bien trouvé de la part du Néerlandais. Williams prend l'écran de Pintelone pour aller inscrire ce 3 points. Williams qui prend ses responsabilités, il vient d'en inscrire un. Là par contre c'est complètement manqué, mais Knutsen est à la récupération en dessous. Bradwaite avec Hugo Minit. Et il va jusqu'au bout. Les 2 points sont inscrits pour le Français. Ils vont aller au bout des 24 secondes. Williams. Il va et Williams qui inscrit 2 points salvateurs pour Charleroi. Likan. Et Likan qui tente d'aller chercher la solution avec Colson. Et Colson qui se retourne et qui va inscrire les 2 points. 74-70, 37 secondes. Et là on met la pression. L'interception d'Hugo Minic. Et la faute! Et qui manque sans doute le plus important. Le deuxième est dedans. 74-71. 3 points d'écart. Il reste 31 secondes. Il ne faudrait pas se faire surprendre. Là, Williams qui joue avec son expérience. L'interception. Excellente défense de la part du capitaine. Pour s'assurer au mieux de l'égalité, même si derrière, les Limbourgeois inscrivent un 3 points. Et le deuxième est dedans. 76-73. Brandwaite. Et Brandwaite qui va aller jusqu'au bout. Ça ressort sur Tolel. Le sauveur de cette équipe limbourgeoise l'est une nouvelle fois. Et Williams qui va aller jusqu'au bout. Oh, c'est magnifique, c'est très bien joué. C'est manqué. Aïe, 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 aïe. Il avait la victoire dans les mains. Eh bien Nina, à chaque fois que vous êtes présente à ce poste, le match est tendu. Vous devriez revenir plus souvent. Avec plaisir. Oh et là cette là. Fois-ci, ça rentre pour Hugo Minic. Ça revient vers Brathwaite. Il reste 7 secondes. Il tente le 3 points et ça va rentrer. Bradwaite qui va jusqu'au bout. Et Colson bien présent au rebond pour aller déposer ses 2 points. L'équipe limbourgeoise dans cette fin de match. On est dans le money time du money time. Là par contre le shot est complètement manqué. Hugo Minic qui se retourne et la réussite. Oh là là. Arrête le massacre. Qui demande à ses joueurs de laisser le temps s'écouler. Et une belle victoire limbourgeoise qui célèbre effectivement comme un titre. On voit la joie de Lionel Colson et il a raison.